The tiny Grand Duchy of Luxembourg is facing a major housing crisis. Protests like this by residents unable to pay rent or buy a home are increasingly frequent in one of the richest countries in the world, where GDP per capita exceeded 125,000 euros last year. C'est pas nouveau, ça fait des années, mais ça s'est empiré au fur et à mesure des années. Et en fait, ça s'explique parce que Luxembourg est attractif au niveau financier. Donc, vous avez beaucoup de main-d'œuvre qui est intéressée de venir travailler à Luxembourg. On est obligé de quitter, finalement, d'aller de l'autre côté de la frontière pour pouvoir se loger. Mais pas forcément besoin d'être étranger. Ça veut dire... Et les jeunes qui ont toujours vécu au Luxembourg, une fois qu'ils partent de chez les parents, ils doivent aller de l'autre côté. Luxembourg is a very small and densely populated country, but there are other factors that have contributed to the current housing crisis. Le problème, c'est que toute la production de logements a été orientée depuis 30 ans vers une production pour les investisseurs et de moins en moins pour les primo-accédants. Et maintenant que les investisseurs se sont détournés du logement à cause de l'augmentation des taux d'intérêt, il n'y a plus de production et la situation est catastrophique. Luxembourg's prosperity is a powerful magnet for would-be migrants. But while the minimum wage exceeds 2,300 euros a month, house prices start at around 10,000 euros a square meter.